Bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois d'octobre. Je dis à tous les Capricornes parce que vous pouvez être là parce que oui, c'est votre signe solaire, mais ça peut être aussi votre signe lunaire, votre ascendant ou peut-être même votre signe de Vénus. Parce que je vous dirais que, en fait, pour avoir un beau complément d'information pour ce mois d'octobre, ben oui, je vous inviterai à aller voir sous tous ces signes. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver les liens pour les découvrir dans la description. Donc, dans ce tirage, on va voir un premier tirage plus au niveau général dans tous les domaines de votre vie pour vous, Capricorne, avec le tarot. Ensuite, on va avoir un tirage au niveau professionnel et un tirage au niveau sentimental. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans. Et tout ça, encore une fois, vous allez retrouver cela dans la description grâce à la minuterie. Et juste avant de commencer, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites, hein, c'est-à-dire vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux et également ben, vos commentaires que j'ai toujours un grand plaisir à lire, qui me motivent énormément. Et tout ça, ben, ça permet à la chaîne de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver et la consulter à leur tour, tout comme vous. Puis sachez qu'en même temps, ben, vous faites plaisir à l'algorithme de YouTube. Donc, c'est important pour moi de vous en remercier. Et comme c'est un, oui, c'est un tirage pour les Capricornes, mais en même temps, vous comprenez que c'est un message, c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie et laissez tout simplement le reste derrière. Alors, on va commencer sans plus tarder, maintenant que tout est dit, par aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Quelle est cette énergie? Oh, juste ici, elle voulait vraiment venir. Ah, vous avez l'âme sœur. Donc, ben, l'âme sœur, vous savez que ça peut être à plusieurs niveaux. Les âmes sœurs, ça n'existe pas seulement qu'au niveau sentimental. Hein. On peut rencontrer une âme sœur, bon, on peut en avoir une dans notre famille, déjà en partant. Ça peut être famille proche, parents, plus ou moins proches même, parents, frères, sœurs, etc. Ça peut être aussi au niveau peut-être d'un collègue de travail, un partenaire d'affaires, si vous êtes entrepreneur. Ça peut être même en amitié. Donc, c'est souvent quelqu'un qui voit la vie sensiblement de la même façon que nous, à se regarder, on se comprend, n'a pas toujours besoin de parler. Donc, il y a vraiment une complicité l'un avec l'autre. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'affinités, de complicité. On aime souvent les mêmes choses, les mêmes activités. On a les mêmes goûts. Je parle au niveau même de la nourriture ou quoi qu'il en soit. On est très similaires, donc on est des âmes sœurs, puis on peut retrouver ça dans tous les domaines de notre vie, au niveau professionnel comme au niveau personnel. Et c'est possible aussi que ça nous annonce fait que de l'amour dans l'air, hein? Oui, que vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Du côté amoureux, mais que vous pourriez aussi rencontrer au courant de ce mois une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un peut-être en affaires ou dans tous les domaines que je viens de vous décrire et que je ne vous redécrirai pas parce que vous allez me retrouver redondante. Fait que soit que cette personne-là est déjà dans votre vie ou qu'elle arrive. Donc, on va aller voir plus loin. On va commencer par aller voir une qualité que possiblement que vous avez déjà, mais qui vous serait bénéfique pour vous à ce moment-ci de mettre en avant dans votre vie, à utiliser durant ce mois d'octobre, qui pourrait être comme une aide, quelque chose de bénéfique pour vous au cours de ce mois. Elle est juste ici et on vous parle du partage. Rien ne m'appartient, rien ne m'est acquis.
La vie met sur ma route des choses, des gens et des événements pour m'aider à grandir. Même les connaissances que j'acquiers ne m'appartiennent pas. Je les distribue donc à tous ceux qui veulent bien les recevoir. J'offre inconditionnellement les perles de mon cœur. Quand je reçois, je donne en retour. Tout est partage. Ouais, on peut tout partager dans la vie. Hein? Effectivement, nos connaissances, nos expériences, notre savoir-faire, nos dons, nos talents, tout se partage. Soyez généreux durant le mois d'octobre. Partagez, amis Capricorne, pardon, tout ce que vous pouvez. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous au cours de ce mois d'octobre? Quels sont les messages pour vous, pour, je l'espère, permettre d'avancer, de prévoir des choses, de pouvoir les prévenir, les contourner? Quand on le sait, c'est plus facile, on peut porter plus notre attention. Et on parle du 4 de Pentacle, donc ça peut nous parler qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, que la vie vous envoie une opportunité, une proposition, mais quelque chose qui va vous faire sortir peut-être de l'apathie. Peut-être que certains d'entre vous qui, à ce moment-ci, d'autant plus que j'ai le 5 de Pentacle autour, hein, qui va vous faire sortir peut-être d'une déception, peut-être d'un manque de quelque chose, peut-être un manque de motivation par rapport à une situation qui s'est passée, qui justement nous a apporté de la déception, peut-être même du regret, qui nous a démotivés, qui a fait en sorte que ça nous a donné envie de, ou ça va vous donner envie de tout lâcher, de tout laisser tomber. On n'a plus envie de rien faire. On est complètement démotivé par un manque. Ça peut être un manque financier, mais ça peut être un manque dans tous les domaines de votre vie. Hein, ça peut être que peut-être dans votre travail, exemple, je prends ça comme exemple, ben c'est plus facile. Ben peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé au niveau de votre activité professionnelle qui vous a déçu ou un objectif qui n'a pas été réalisé. Puis là, ben ça vous a démotivé. Ça peut être ça. C'est un manque de quelque chose, mais la vie est là pour vous tendre une coupe, hein, pour vous sortir de cette démotivation-là, de votre apathie, de votre ennui, de votre déception. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 8 d'épée. Oui, probablement une déception, ou en tout cas une situation pour laquelle vous n'arrêtez pas de ressasser. Vous êtes comme dans une prison mentale, là, vous ressassez toujours la même chose parce que oui, il y a une déception, peut-être par rapport à quelque chose qui n'avance pas à la vitesse que vous aimeriez que ça avance. Sauf que là, vous n'êtes comme pas en mode solution, vous êtes juste en mode de toujours ressasser le même problème. À peut-être à vous dévaloriser même, à vous dire que vous en êtes incapable, que vous n'y arriverez pas. Mais parce que ça avance pas, j'ai le sentiment, à la vitesse que vous aimeriez. Mais en même temps, c'est pas tous les buts, c'est pas tous les objectifs qui avancent à la même vitesse. Donc, on voit ici que vous avez semé des graines. Vous avez mis des actions, des énergies dans certaines situations, au début, des objectifs. Mais là, ça avance pas à la vitesse que vous aimeriez. Peut-être ça qui vous démotive aussi, qui vous déçoit, bien évidemment, mais sachez que les plantes elles-mêmes ne poussent pas toutes à la même vitesse. Hein. Il y a des plantes qui vont pousser beaucoup plus rapidement que d'autres. Fait que ça fait appel à votre patience. Mais sachez qu'avec cette carte de deniers, la récolte, elle est là. C'est juste qu'il suffit d'être patient. Puis en même temps, vous le savez, hein, tout arrive à point à qui c'est attendre. Donc oui, il va y avoir un résultat, mais ce n'est pas encore tout à fait prêt. Mais ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Beaucoup de propositions, beaucoup de choix. Bien, c'est peut-être ça aussi qui vous fait ruminer. Vous êtes peut-être dans le doute, la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix. Il peut y avoir des choix là-dedans aussi qui vous
ce qui fait que vous êtes dans la confusion, dans le doute, dans l'indécision. Mais pour pouvoir faire le bon choix, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose à quitter, quelque chose qui est obsolète, qui n'a plus besoin d'être là. C'est peut-être une proposition qu'on vous a faite, une opportunité. Mais de déjà vu, j'ai le sentiment de quelque chose de similaire que vous avez déjà vécu et qui vous tente probablement plus tant que ça. Ça vous a déjà appelé, ça vous a déjà parlé, mais là, c'est plus vraiment dans vos objectifs, ce n'est plus vraiment dans vos buts. Donc, de prendre le temps, de la réflexion pour choisir la bonne coupe, la bonne opportunité, la bonne proposition qui va vous permettre de vous transformer vers vos objectifs, vers vos buts, mais en devant laisser quelque chose de derrière, déjà quelque chose qui est déjà de toute façon obsolète, qui est déjà mort, qui vraiment que vous devez les mettre au rebut, j'ai envie de dire, parce que c'est déjà mort, ça vous excite déjà plus, ça fait plus passer plus dans votre cœur. C'est plus dans votre envie. Ça l'a déjà été, mais peut-être que maintenant, c'est trop tard. Et oui, vous allez devoir prendre le temps de vous arrêter, de réfléchir. Avec le 4 d'épée, on se met en pause, on se met en arrêt, justement pour sortir de cette confusion-là. Parfois, l'idée, c'est d'aller faire autre chose, hein, de laisser tout ça, puis d'aller faire autre chose, d'aller peut-être même vous amuser, de faire quelque chose qui vous apaise, qui va vous permettre de vous ressourcer puis d'avoir les idées plus claires pour faire un choix plus éclairé. Oui, avec plus de clarté d'esprit, en fait, parce que notre cavalier ici, il avance parce qu'il a trouvé une solution, il a trouvé une idée. Là, il est prêt à avancer, mais ça va prendre ce temps de réflexion, de méditation ou de ressourcement en faisant autre chose, quelque chose qui vous relaxe, écouter de la musique, je sais pas moi, lire un bon livre, écouter un film, mais comme de laisser reposer tout ça pour vous poser aussi. Puis de là, il va sortir une idée nouvelle, j'ai le sentiment, avec ce cavalier d'épée. Il y a une solution, en tout cas, les idées vont s'éclaircir. Et à partir de là, vous allez pouvoir foncer vers l'opportunité que vous aurez choisie avec, oui, avec logique, en ayant les idées claires, en étant prêt à avancer parce que la décision, elle va être prise. Le choix va être fait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 9 d'épée, toujours par rapport à cette déception, peut-être une indécision, du doute. Le 9 d'épée, c'est quand même, vous êtes à l'aboutissement, là, tranquillement, vous vous en venez vers cette fin de vous poser des questions, de ressasser les questions, puis qu'à force de ressasser les questions, on s'embrouille même dans nos réponses, et parfois on grossit le problème. D'où part ce 4 de denier? Oui, ça peut être un problème financier, bien évidemment, mais on parle d'équilibre aussi avec le 4 de denier. De retrouver plus d'équilibre au niveau financier, peut-être d'équilibrer vos avoirs par rapport à vos dépenses. Mais il y a quelque chose qui mijote, mais que vous grossissez, qui devient un peu comme un cauchemar, puis on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Et souvent, le 9 d'épée va suggérer d'en parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous aider à trouver la solution. Puis vous savez quoi, des fois, à se raconter, on la trouve, la réponse, de par nous-mêmes. Et ça dédramatise, puis ensuite, vous allez en rire probablement. Mais allez-y, soyez patient, soyez doux, avec vous, on a l'impératrice. Donc, elle va vous donner l'énergie de trouver qu'est-ce qu'il y a de fertile dans tout ça, parce qu'il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose à en ressortir
pour créer plus d'abondance, peut-être à vous exprimer, à exprimer plus votre créativité. Ça va vous permettre de, et peut-être de faire votre choix aussi avec quelque chose de plus créatif pour vous, de plus inspirant. Comme si aussi il peut avoir pour certains une idée qui mijote déjà, mais qu'on n'ose pas faire le saut. Mais l'énergie de l'impératrice va vous permettre de rendre ce cauchemar, ce mur qui est devant vous, qui vous semble infranchissable, d'en faire ressortir le meilleur et de faire que le mur s'affaisse tranquillement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'en ai deux qui veulent venir. On a le valet de coupe et on a le roi de coupe. On est beaucoup dans les ou dans les coupes ou dans les épées jusqu'à présent. Donc, suivez votre cœur, mais allez-y avec logique. Le roi de coupe, hein, qui maîtrise ses émotions, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas envahir par elles. Il avance avec confiance en lui parce qu'il comprend ses émotions. Il les ressent, il les vit, mais sans les empêcher d'avancer. Je crois ici qu'on parle beaucoup, beaucoup de cœur. Hein? Oh my God! On a l'âme sœur qui peut être à tous les niveaux, mais ici, j'ai le sentiment parce qu'on a beaucoup, beaucoup de coupes. Donc, les coupes, on est dans l'intuition, mais on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Et on a les amoureux derrière qui vous demandent de faire un choix de cœur. C'est pas un choix logique, c'est pas un choix parce qu'il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de structure, il n'y a rien à suivre autre que votre cœur. Le valet de coupe qui vous parle de vous ouvrir à des émotions nouvelles, à avoir confiance en vous, à ne pas douter parce que votre cœur vous parle et de les gérer, ces émotions-là, sans justement les laisser vous entraver ou vous empêcher de faire un choix de cœur. C'est rare que je vais la montrer, mais en plus, c'est parce qu'on a le 4 de coupe derrière. Donc ici, ça peut être une réconciliation pour ceux qui sont déjà en relation, s'il y a eu un conflit. Mais c'est vraiment une personne significative qui arrive vers vous ou une nouvelle opportunité, mais très impactante au niveau émotionnel. Le 4 de denier aussi qui vous parle en quelque part de vous accrocher à ce que vous connaissez déjà, à vos expériences, à vos compétences, à vos habiletés pour sortir de votre prison mentale et pour faire votre choix en prenant le temps de la réflexion, de la méditation, de ce que vous voulez. Plutôt que de grossir le problème, écoutez les idées nouvelles qui vous viennent de votre cœur, de votre intuition. Et faites comme le roi de coupe, suivez-les. Suivez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux. Wow! Parce que la vie se met en mouvement pour vous, là, avec cette roue de fortune. Opportunité pour opportunité, opportunité de changement, de croissance. Et on avait aussi la justice qui voulait venir. Bien, qui nous parle, bien, encore une fois, pour équilibrer davantage. Hein? Le changement, ça va être pour apporter plus d'équilibre dans votre vie. Bien, de ne pas avoir peur de foncer, d'avancer, parce que là, vous savez ce que vous voulez, vous allez le trouver. On avait aussi le cavalier d'épée, hein, qui vient de trouver sa quête, sa vérité. Et là, il est prêt à foncer. Puis là, vous avez le cavalier de bâton qui, lui aussi, il est prêt à foncer parce que là, vous savez ce que vous voulez puis vous savez comment l'obtenir. Donc, vous êtes prêt à foncer puis à avancer vers vos buts, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous donne envie d'avancer pour ce mois d'octobre. En toute justice, en toute justesse, avec équilibre, en tout équilibre, pour amener plus d'équilibre aussi dans votre vie, mais en toute équité, autant pour vous que pour les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de bâton. Ben, qui maîtrise, hein, lui aussi,
Il maîtrise ses passions, il avance par désir, par envie, pas juste par responsabilité ou par devoir. Et c'est bien souvent ce qui permet d'avoir une réussite dans la vie, parce que quand on avance par passion, par quelque chose qui nous appelle, qui fait du sens pour nous, ben ça nous permet de réussir. Donc, le roi de bâton, il fait vraiment en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, comme le cavalier de bâton, mais il agit en conséquence pour l'obtenir. Il trouve des moyens de remettre aussi en question ses centres d'intérêt. Il y a peut-être des, comme je vous disais tantôt, on avait la mort. Il y a peut-être des centres d'intérêt qui sont plus là, hein, qui ont changé. C'est pour ça que même ici, avec le 7 de coupe, il y a beaucoup de propositions ou d'opportunités. Mais sachez délaisser les celles qui peut-être vous ont déjà appelé à un certain moment, mais que c'est comme si là, le timing était passé, vous n'en avez plus vraiment envie, vous avez envie d'autre chose. Et à partir de là, ben, vous allez être prêt, avec le roi de bâton, en ayant trouvé vos centres d'intérêt, peut-être les avoir réajustés, les avoir mis au goût du jour, ben de voir les bonnes opportunités. Hein? Vous êtes prêt, vous les attendez, vous êtes prêt à les recevoir pour avancer dans la bonne direction pour vous. En tournant le dos à certaines choses du passé, comme avec la carte de la mort, mais de regarder plus vers l'avenir aussi, pour élargir vos horizons, pour agrandir vos ressources, votre patrimoine, votre statut financier, mais peu importe. Et les choses ne tarderont pas à bouger parce qu'à partir du moment où vous allez avoir décidé de vers où vous voulez aller, c'est quoi vos nouveaux objectifs, j'ai le sentiment que la vie, hein, avec la roue de fortune, va se mettre en route pour vous, en toute équité, pour avoir plus d'équilibre dans votre vie et d'avancer avec plus aussi d'optimisme, de bonheur, de jovialité, de vitalité aussi, le roi de bâton qui va vous redonner plus de vitalité, ben oui, parce que là, vous allez avoir trouvé votre chemin. En vous ayant basé aussi sur vos compétences, sur vos acquis, sur ce qui fait déjà partie de votre vie. On va aller voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler, mais il y a vraiment une chance d'âme sœur, hein, de quelqu'un qui arrive pour vous. Puisqu'on avait les amants, donc c'est vraiment plus ici pour certains au niveau amoureux de faire la rencontre de votre âme sœur qui va créer un changement positif dans votre vie. Beaucoup plus d'équilibre. Ben oui, la vitalité, tout va revenir, hein? Ça fait tellement du bien d'être en amour, on va se le dire. Bon. Ici, on a la carte d'accusation. On est rendu à l'occupation professionnelle. On vous parle de la santé, de l'instabilité, du bouclier. Bon, est-ce qu'on vous accuse de votre état de santé qui crée de l'instabilité? Peut-être au bureau, peut-être est-ce que vous avez, oui, des problèmes de santé qui font en sorte que vous devez vous absenter. Quand je dis au bureau, hein, pensez à votre activité professionnelle, peu importe ce que vous faites, mais je comme porté toujours à dire au bureau. Mais oui, hein, moi je ne sais pas, vous êtes peut-être camionneur, camionneuse, vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, dans la construction, peut-être sur une chaîne de montage. Vous êtes peut-être dans les soins énergétiques, mais peu importe ce que vous faites, hein, pensez que quand je suis au bureau, c'est plus facile pour moi, mais je devrais dire toujours dans votre activité professionnelle. Fait que c'est comme si dans votre activité professionnelle, on vous accusait par rapport à votre santé qui est instable. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est vous protéger de tout ça. Bien, vous faites bien, hein? Votre santé, c'est important.
Ah, mais ça, c'est magique, hein? Avec le miroir magique en passant. Parce que le miroir magique, ben, c'est la carte qui atténue toutes les autres cartes, hein? Elle est magique, donc elle représente la protection divine. Donc, elle annule toutes les mauvaises cartes, comme ici, l'accusation, l'instabilité. Le bouclier, ben, c'est parce que parfois, on se protège, bien évidemment. Mais on peut se défendre, on peut se mettre en sécurité. Mais parce qu'elle n'est pas toujours négative, hein? Ça peut être des appuis, ça peut être des gens quand même qui sont là pour vous soutenir. Mais c'est comme si en même temps, il y avait de l'instabilité aussi par rapport à ce soutien-là, à l'appui que vous pouvez vous attendre des autres. Mais magnifique, le miroir magique qui vient vous dire que ben, vous êtes protégé sous une protection divine. J'ai le sentiment que la justice devra être faite au niveau de votre activité professionnelle, même si on vous accuse, exemple, de ne pas avoir une bonne santé de ce temps-là, parce qu'elle est instable, votre santé. Peut-être devriez-vous consulter, hein? Je ne suis pas médecin. Mais j'ai le sentiment que vous le savez déjà, ou en tout cas, ça risque d'arriver au courant du mois d'octobre. On a notre carte de denier qui revient, hein? On avait débuté le premier tirage avec le 4 de denier qui vous dit encore de vous accrocher à vos connaissances, à vos compétences, à ce que vous savez pour pouvoir avancer. Vous accrocher en prenant le temps de bien observer tout ce qui se passe devant vous et autour de vous. D'en prendre connaissance, de l'analyser pour tranquillement être au fait de tout ce qui se passe. D'être un peu curieux, curieuse, peut-être de poser des questions à des gens, peut-être avec qui vous travaillez, puis qui pourraient vous aider. Parce que, waouh, vous en allez vers un 10 de denier. Un 10 de denier, c'est plus d'abondance, plus de sécurité. C'est une carte qui nous parle de sécurité, d'héritage, de gains. Wow! Puis derrière, vous avez le monde. Donc, il y a un accomplissement qui va se faire au niveau de votre activité professionnelle, possiblement d'avoir plus de sécurité financière, plus de gains au niveau financier par rapport à votre activité professionnelle. Est-ce qu'il va y avoir une entente? Je ne sais pas, peut-être est-ce que vous avez une blessure vraiment importante qui fait que vous ne pouvez plus travailler, ça serait possible. Mais voyez-vous, vous êtes protégé, on dirait que la vie veut vous mettre en sécurité, là, que vous ne soyez pas dans le besoin, dans la peur du manque ou de quoi que ce soit. On va aller voir plus loin. Wow, le soleil, ben là, écoutez. Tout s'éclaire, c'est la réussite, tout va bien, c'est le bonheur. Les choses se déploient de bonne façon pour vous, elles se déploient en beauté. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, comme je parlais, l'âme sœur, ça peut être un partenaire d'affaires, un collègue, quelqu'un avec qui on a des affinités, qu'on a de la complicité. Mais on y voit plus clair. Vraiment, les choses se déploient en beauté pour vous. Magnifique. Et on a le 10 d'épée, donc il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment quelque chose de lourd dans votre activité professionnelle, possiblement par rapport à votre santé, mais j'ai le sentiment que ça va se régler de belle façon pour vous, hein, avec ce miroir magique et le soleil. Ça se termine, là. Ça a été dur, vous avez travaillé fort. Mais oui, on vous a peut-être même accusé, ça a peut-être été en médiation, peut-être été même jusque à la cour du travail, je ne sais pas en Europe de quelle façon vous appelez ça. Mais ça se termine, là. Toute cette lourdeur, tout ce qui vous pesait par rapport à cette situation-là se termine. On continue, on va aller voir qu'est-ce que. C'est peut-être un peu particulier, là, comme tirage professionnel. Oui, tout va se rééquilibrer. On est encore avec les deniers.
qui va avoir un équilibre au niveau financier, ben oui, puis ça ramène, c'est comme si la vie vous octroyait, parce qu'on avait le monde aussi tantôt, c'est comme si la vie, bon, on a la roue de fortune également, faut pas l'oublier. Donc, moi, j'ai le sentiment que la vie vient réaliser un de vos souhaits, là. Ça devient réalité au mois d'octobre. C'est vraiment une chance. Le 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est un accomplissement, c'est une satisfaction personnelle. Wow, super! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, ça peut être, parce que là, je parle d'un cas, je ne sais pas, j'ai le sentiment que c'est un cas de quelqu'un qui ne pourra pas retourner au travail, ne pourra pas refaire l'activité qu'il faisait. Puis là, il y a comme un package deal qui est mené pour libérer l'entreprise, mais pour libérer cette personne-là aussi de cet emploi-là. Mais vraiment, j'ai le sentiment que ça va se faire de bonne façon, à votre avantage, avec toutes les cartes de denier que je vois ici, avec le miroir magique et le soleil. C'est une réussite. Les choses vont s'éclairer puis vont se déployer. Mais sinon, si vous avez été accusé de quelque chose, peut-être oui, parce que vous avez dû vous absenter beaucoup, peut-être pour une instabilité au niveau de votre santé. Mais le bouclier nous disait que vous êtes protégé ou vous vous protégez, mais que pour vous aussi, là, vous êtes protégé par l'univers et que les choses vont rentrer dans l'ordre, peu importe. C'est tout bon, peu importe votre situation professionnelle. Ouais, ben parce qu'il y a peut-être encore une bataille à faire. Il y a peut-être une dernière bataille ici à mener avec ce 5 de bâton. Mais allez-y encore, on a les amants. Allez-y avec le cœur. Il y a peut-être quelqu'un aussi, hein? Votre âme sœur, peut-être en activité professionnelle ou en tout cas dans votre vie, cette âme sœur-là qui va vous aider, qui vous protège peut-être, puis qui va vous aider à terminer peut-être la dernière étape. Mais tout c'est clair, la dernière étape pour faire un choix de cœur. Encore une fois, vous engager à partir de votre cœur et non à partir de votre tête. On va aller voir au niveau sentimental de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Capricornes. N'oubliez pas hein, d'être dans le partage, dans l'équilibre. Donc, au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on vous parle, les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2024, juste ici, on vous parle d'une proposition. Proposition, peut-être de rencontrer quelqu'un, d'aller à la rencontre de quelqu'un, hein, une offre. Une invitation, quelque chose d'agréable. On va aller voir plus loin. Oups, tu vas avoir un peu de difficulté, un peu d'obstacle par rapport à cette proposition. Ça peut être un retard. C'est pas toujours quelque chose de majeur, mais on va aller voir plus loin. On vous parle d'évidence. Allez voir avec les autres cartes, un choix à faire, un choix évident à faire, malgré un obstacle par rapport à une proposition, ouais, une proposition amoureuse, hein? On l'a derrière. Un choix amoureux à faire, peut-être entre deux personnes, mais peut-être ça peut être un choix entre conserver votre célibat ou aller vers cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Parce que la proposition, ça peut être une invitation qui va peut-être être, va peut-être avoir un petit retard dans la proposition, mais le choix va devenir évident. Vous allez faire un choix de cœur. On continue. De quoi est-ce qu'on vous parle avec le tarot? J'en ai deux qui ont voulu venir. On a le 9 d'épée, de vous laisser gâter, ouais, de rééquilibrer. Encore, j'ai le sentiment, hein, le partage, donc entre le recevoir et le donner. On parle encore d'une proposition
avec l'as de denier, une proposition, ben dans ce cas-ci, probablement cette invitation qui vient d'être confirmée, quelque chose de concret malgré le blocage. Quelque chose de concret, donc de rencontrer la personne. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez pas encore rencontré en personne. Ici, on vous parle d'autonomie, d'indépendance, d'un statut financier confortable, mais probablement de se sentir en sécurité avec cette personne-là. Un peu aussi comme si vous étiez dans l'indécision, hein, qu'il y avait un petit peu de doute. On a des désirs, mais on a des doutes. On n'est pas sûr. Tenter d'équilibrer, dans le fond, ce que vous souhaitez par rapport à ce qui est réaliste, à ne pas vous brûler en quelque part. C'est un peu comme une mise en garde ici, le 9 de denier. Parce qu'on vous parle encore d'équilibre avec ce 6 de coupe. On vous parle aussi peut-être de nostalgie, de prendre les choses avec plus de légèreté, un peu comme les enfants, hein, sans vous casser la tête. Un peu avec insouciance. D'y aller lentement, mais sûrement, j'ai le sentiment, avec ce valet d'épée qui est prêt à apprendre, à mettre les choses aussi en lumière. Faire attention, c'est ça, parce que vous êtes déjà dans le doute. Donc, de faire attention, de ne pas être aveugle ou sourd d'oreille à ce qui se passe, à ce qu'on vous dit, mais d'être plus dans, peut-être dans la sensualité, hein, de ne pas être trop froid aussi en quelque part. Les épées, on est plus dans le froid, ouais, avec le 7 d'épée derrière, hein, parce que oui, ça me parle de doute, de prudence, de méfiance. Mais dans les affaires de cœur, il faut ouvrir son cœur. On vous parle de légèreté ici. On avait aussi le 6 de coupe, hein, qui parle d'y aller avec plus de légèreté, j'ai envie de dire, avec plus de peut-être de taquinerie, d'humour, de coquetterie. Oui, d'être capable de vous ouvrir avec la tempérance, d'être patient, de vous ouvrir, de vous adapter dans le fond aux situations, aux événements, en étant indulgent, ben, envers l'autre, en ayant une ouverture d'esprit, d'être vraiment à l'écoute, lentement mais sûrement, avec compassion, oui, c'est ça, prendre le temps de découvrir l'autre, de la connaître, de s'assurer que c'est vraiment la bonne personne pour vous. Pas parce qu'on vous parle d'un âme sœur que c'est automatiquement la meilleure personne pour vous. Quoi qu'en amour, normalement, oui, beaucoup de... Mais pas brûler d'étapes, dans le fond. L'idée, ça serait plus ça, de pas brûler d'étapes, de prendre le temps. Parce qu'ici, on a notre fameux célibataire, hein, l'ermite, c'est notre célibataire, peut-être même endurci pour certains. Donc, de vous dévoiler peu à peu, de peut-être mettre un peu de séduction, de mettre les choses en lumière, lentement, en faisant attention le choix des mots. Oui, de ne pas être trop froid. Mais de vous laisser gâter, d'accepter ce que la vie vous envoie. Il y a une notion de choix aussi en même temps avec le 2 de bâton, hein, de faire le bon choix. D'équilibrer aussi, hein, entre vos désirs, entre vos doutes, entre ce que vous souhaitez, pour mettre tout ça en lumière. Laisser les choses avancer à leur rythme avec la tempérance. Parce que la tempérance, c'est l'équilibre aussi, deux opposés, hein, les désirs, les doutes. Mais le faire aussi, ben, je pourrais dire avec sagesse, mais j'ai le sentiment en prenant le temps, en ne brûlant pas d'étapes.
On va aller voir maintenant les conseils pour les Capricornes du premier décan. Quels sont les conseils pour vous? Parce qu'on a vraiment la qualité de toute façon, hein, c'est le partage, mais ça va être le partage dans tous les domaines de votre vie. On vous dit de méditer, prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa place. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous réaligner à vous-même et de vous unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ouais, l'humain est tellement complexe, hein? Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Acceptez autant vos côtés lumineux que vos côtés un petit peu les plus sombres parce qu'ils font la magnifique personne que vous êtes. Ici, on vous dit, l'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Oui, quand vous prenez un petit peu le temps de les regarder, de les écouter, de les analyser, de voir pourquoi ils sont là, ben déjà, ça va chasser cette morosité et cette nostalgie. Qui nous en parlait un petit peu dans le tirage amoureux avec le 6 de coupe. Hein? Ça nous parle aussi de nostalgie, du passé, de mélancolie. Mais ça nous parle aussi d'équilibre. Pour les Capricornes du deuxième décan, écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Donc, vous aussi, comme le premier décan, vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même. Sentir votre verticalité, d'être aligné, d'être bien ancré, tout en vous laissant porter bien, par votre intuition, par votre bonne étoile qui vous guide, qui veut vous faire avancer vers un chemin plus lumineux. Donc, elle éclaire votre chemin, elle vous guide et elle vous tend, on vous dit de tendre l'oreille pour écouter votre intuition, votre petite voix intérieur. Au deux de deck, qu'est-ce qu'on a? Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être une situation aussi. Hein? Un événement que vous ressassez en boucle, hein, on avait, vous vous rappelez, le 8 d'épée, le 9 d'épée. On ressasse en boucle, on est pris dans une prison mentale, puis bien souvent, on grossit le problème au lieu de le diminuer puis de se mettre en mode solution. Donc, vous devez vous défaire de ça, peut-être de cette tendance-là, ou de quelqu'un qui vous tire vers le bas, ou d'une situation pour laquelle vous devriez y mettre un terme. On va aller voir quel autre conseil qu'on a pour vous, groupe 2. Elles viennent de sauter avec le chiffre 4, hein, qui nous parle de, encore une fois, de s'ancrer, de s'aligner, d'équilibrer notre vie. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi, à vous prioriser, à prendre soin de vous pour retrouver plus de stabilité en vous. Pour les Capricornes du troisième décan, quel est le message conseil? On vous dit d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau. Et ose. Ça me fait penser à notre cavalier d'épée qu'on a eu. C'est ça qu'il fait, lui. Il fonce tête baissée par rapport à la solution, à l'idée qu'ils viennent d'avoir. Il ose et il va avec confiance. Puis on vous dit de faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais.
Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est tellement important de prendre conscience de pourquoi qu'on fait quelque chose. Peut-être que vous allez arrêter de le faire, mais peut-être que vous allez aussi continuer à le faire parce que ça va être quelque chose d'important pour vous. Mais vous allez être comme plus libre puis plus disponible pour continuer à le faire. Ça va être beaucoup plus facile. Et quel est l'autre message pour vous? Quelle autre carte conseil, en fait? Elle vient de sauter, elle aussi. Ben, Colin, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Revenez à, oui, à votre façon de faire. Elle est bonne. Je pense que vous vous distancez inconsciemment de votre façon de faire les choses, puis à vous trop vous distancer, ça fait que vous vous posez des questions. Oui, ça amène une réponse, mais la réponse vous amène une autre question. Fait que là, vous finissez par vous perdre, puis vous savez peut-être même plus de quelle façon que tout ça a commencé. Donc, vous devez vous distancer, puis refaire de la façon avec laquelle vous êtes le plus confortable. Celle qui est la plus bénéfique pour vous, avec laquelle, oui, vous êtes le plus à l'aise, parce que vous devez reprendre la façon que vous aviez de faire les choses dans votre vie. Voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.